7e édition de la fête de la mer. C'est une réussite. On a beaucoup, beaucoup de population, surtout des jeunes, comparé aux années précédentes. Après, niveau opérateur, on a énormément qui se sont mobilisés cette année. On a mis en place des initiations à la natation. On a des sirènes qui sont venues d'Anguilla, donc qui attirent vraiment les plus petits. Pas mal de poissons, on a vu 5-6 tortues, quelques raies et des magnifiques sirènes. Ce qui est très rare à Saint-Martin, apparemment c'est la saison de la sirène, donc c'est vraiment sympathique. Je pense que c'est une bonne initiative de faire ça toutes les années, même de le faire plus souvent, ça pourrait être plus sympathique. I saw some interesting stuff. It's my second time here and I enjoyed it. Nice. Just out with the kids having fun. On a vu des poissons perroquets. Et on a vu aussi un banc de poissons. Well, we have 24 years of doing this now. Everyone to come and see what it's all about. It's very nice. Je pense qu'il pourrait aller un peu plus vite. Je pense que comme c'était le premier tour, il n'a pas osé, mais je pense que les prochains, ça va décoiffer. Voilà. It was very nice, very nice, very exciting. She was afraid in the beginning, but after a few minutes, she got used to it. I love it. It was very good. I was feeling like a little bit scared, but after I get you. Disneyland vaut mieux et moins cher. Alors là, le Collège Mont-des-Accords propose deux activités, les optimistes, donc les petits bateaux qui sont derrière moi, et la goélette qui était déjà là l'année dernière. Donc la goélette peut accueillir 10 personnes, les optimistes c'est individuel, où on peut en mettre deux quand ils sont tout petits. Donc l'avantage de l'optimiste, en fait, c'est vraiment que c'est la base de l'apprentissage de la voile. C'est tous les marins qui sont maintenant très 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 forts ont tous commencé par l'optimiste, parce que l'enfant, en fait, il est tout seul et il doit gérer en même temps la barre et la voile. Donc c'est un bateau qui est très sensible, donc qui réagit facilement. Et avec ce support, il découvre déjà les premières bases de la voile et après il passe à autre chose, à un bateau collectif, les katas, etc. Ça fait 2 ans qu'on participe et je pense que c'est une belle manifestation et ça draine du monde. Je pense que plus ça va aller, plus il y a des gens qui vont se mettre à l'eau, sur l'eau, parce que malheureusement, la voile, c'est encore une activité très élitiste, qui est très coûteuse. Et justement, par le biais du collège, par les associations, on essaye d'élargir le public pour permettre à un plus grand nombre de pratiquer ces activités qui sont encore très onéreuses pour la jeunesse de Saint-Martin. Propose une initiation, une découverte en kayak et paddle pour tout le monde et bien sûr en particulier pour les enfants. Et donc on essaye d'apprendre les gestes de base et puis on est là pour les surveiller également. On a, comme vous voyez, il y a plein d'activités de proposer. On propose aussi la planche à voile, le hobby cat, voilà, en tout cas pour ce qui est du club Wine Adventures. Et puis on est très content d'être là. Avec un soleil comme ça, c'est super, super agréable, il y a du monde. Comme c'était sur 2 jours, hier ça s'est bien passé. Et puis aujourd'hui, c'est l'explosion, il y a encore plus de monde. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Et bien, on a fait des tours. Après ça, on a fait le tour de nos bateaux. Et il nous a dit qu'on avait 5 minutes. Et bien, on voulait aller prendre nos parents. Il faut mettre beaucoup de force. Et travailler bien. Au canard, on pêche les canards et on en pêche 8 ou plus si on a envie.
Et après, dès qu'on a fini, on les repose dans le bac et on a un cadeau, n'importe lequel, surtout ce qu'il y a là. J'adore la fête de la mer. Pour moi, j'attends toujours cet événement quand il arrive le plus vite possible. Parce que c'est vraiment, 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 vraiment génial. Et surtout la pêche au canard. Yes, it's a very good thing, yeah. We does get more people today and we all happy today. As you can see, everybody enjoying themselves. It's a good event to bring to Grand Cars because it brings the people together, the kids and everybody, that they can enjoy themselves and have a lot of fun, and it brings business to the village also. It's a very good thing they do every year, and it brings good business for Grand Cars and Lolo's. I mean, it's an attraction. I mean, all walks of life come together, and everybody have fun. I mean, good for the kids. I mean, it's a good attraction, and I love it myself. Those events are just great for the people, and especially for tourists, to kind of get like a sense of like what the life here is like. You know, like we're from the States, so yeah, this is like complete opposite living, and it is amazing. C'était très bien. Bah, c'était super. Dynamique, ouais. Bonne ambiance. C'était rigolo. Bonne découverte. Ouais. Voilà. Cours d'aquagym, configuré de manière un petit peu dansante et avec quelques mouvements qu'on peut reproduire sur nos cours d'aquagym tout au long de la semaine. Alors c'était certes bien plus chorégraphié qu'à la normale. On est plus axé sur un travail un peu plus musculaire en temps normal. Mais là c'est pour le move, pour le fun et je pense qu'on a réussi. Ah ben, c'est important, tous les protagonistes de la mer de Lille sont rassemblés aujourd'hui, enfin sur ce week-end. Et nous, ça fait à peu près un an maintenant qu'on fonctionne, quasiment jour pour jour. Et c'était important qu'on prenne part et puis qu'on vienne également donner du plaisir aux gens qui sont venus là pour se détendre. Tous à rejoignez-nous à tous à l'heure. Yes. De la mer, ça permet de regrouper toutes les activités, tous les professionnels de Lille. Et donc voilà, tout le monde est là, c'est une grosse fête, tout le monde est bénévole et tous les bénéfices récoltés partent pour une belle action. Donc franchement, c'est vraiment cool d'y participer. Cette année, les fonds vont être distribués aux jeunes espoirs sportifs des sports nautiques de Saint-Martin qui partent faire des compètes en international. Je m'appelle Thomas Vichak et j'ai 14 ans. Je fais du ski nautique, c'est consiste en trois disciplines. Il y a le slalom figure et saut. Le slalom consiste à contrôler 6 bouées. Une fois qu'on a une vitesse constante, on raccourcit la corde. Après, il y a les figures, consiste à faire le plus de points possible. On va le droit de faire deux fois la même figure. On fait plusieurs figures. Et le saut consiste avec un tremplin à être le plus loin possible. Ouais, c'est cool l'initiative, car la fête de la mer, ça permet tous ces fonds aux jeunes de partir en compétition, tout ça. C'est super cool pour nous, enfin, ça nous aide, c'est génial. Ben, je m'appelle Eliott, je pratique de la planche à voile depuis 3 ans et je fais beaucoup de régates. Ça fait 2 années que je fais des régates à Saint-Barth et en Guadeloupe. J'ai remporté la Kids 2014 et la Kids 2015. Ensuite, en Guadeloupe, en 2015, au mois de mai, j'ai fait la finale du championnat. J'ai remporté toutes les manches et j'étais venue pour savoir si ça me plaisait, si je pouvais vraiment faire le championnat. Je trouve ça très bien de nous soutenir. Grâce à eux, on est toujours motivés à faire les régates hors de l'île. Et je les remercie beaucoup. Plusieurs personnes qui m'ont demandé où est-ce qu'on peut vraiment faire les cours, d'autres qui ont dit juste waouh. Donc moi je pense que c'est bien, ça,
ça tire du succès, ça donne de l'ambiance. Je m'appelle Maë Demané, j'ai 14 ans. Je pratique le surf. J'ai commencé les compétitions il y a un an et demi. Et j'ai vraiment vite évolué. Donc moi, j'aimerais bien être professionnelle plus tard parce que pratiquer son sport de glisse, sa passion pour moi, c'est un rêve. Donc j'aimerais vraiment être surfeuse professionnelle plus tard. Grâce à toutes ces activités-là, ils vont récolter de l'argent pour nous aider pour nos voyages, nos compétitions. Donc c'est vraiment un plus pour nous parce que parfois c'est assez cher les déplacements. Donc c'est vraiment très gentil de leur part et on les remercie. On a proposé du jet ski, donc en initiation avec un moniteur et juste une démo de flyboard pour montrer et faire découvrir aux gens ce que c'était. Bah, c'est assez fun, donc ils sont plutôt satisfaits, assez contents quand ils reviennent et ouais, c'est plutôt cool. Je crois que c'est la quatrième ou cinquième fois, voire peut-être même un petit peu plus sous d'autres formats, puisque sur les trois dernières années, c'est sûr, il y a eu un break à un moment et les années d'avant, nous étions déjà partenaires. Donc nous sommes partenaires fidèles et il faut reconnaître que Bulent et son équipe font un super boulot. C'est pas facile, hein, j'ai moi-même fait de l'associatif, je sais ce que c'est, de s'engager, de monter des dossiers, des projets et de les aboutir et que ça se passe bien. Il y a tout un ensemble de choses qui sont assez compliquées, donc il faut encourager tous les projets de ce type-là en tout cas. Je trouve malheureusement que quand on vient sur une île, on la découvre beaucoup trop peu de la mer. Donc là, c'est l'opportunité bah, justement de pratiquer des activités et puis que justement les locaux se mélangent à nos visiteurs. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle l'Office de Tourisme, nous soutenons à fond les manifestations qui sont organisées par les associations locales. C'est super, il y a des ateliers pour tout le monde, même pour les petits, on s'amuse très bien ici. C'était quoi votre activité préférée? Moi c'était le bateau. Moi c'était le paddle, ça fait du bien. Et c'était une bonne fête pour passer la fête des mères, donc unissez tout, ils venaient profiter, la fête Métimère à Grand Case, les bonnes activités, il y a tout ça. Il n'y a que du sourire, il y a de la bonne ambiance. Il y a à manger, il y a à boire, il y a du soleil, il y a la mer, tout est là. Mais ce serait bien que ce soit toute l'année, parce qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'activités qu'on ne voit pas forcément très souvent. Les prix sont vraiment accessibles, donc ça permet d'essayer plein de trucs. Puis l'ambiance est plutôt sympa, donc bon, voilà, je trouve ça bien. Ce qui est intéressant aussi avec la fête de la mer, c'est que ça ouvre vraiment toute l'île. C'est vraiment les locaux, c'est-à-dire ceux qui, toutes les personnes qui kiffent vraiment la mer, c'est-à-dire qu'elles soient non motorisées, motorisées, c'est vraiment cool. Donc tous les gants de Grand Case, on peut voir sur le ponton, c'est blindé, ça fait des activités. Hein. Faudrait ça tous les mois presque. Hein. Bah, l'année prochaine, hein, la fête de la mer, on sera là, donc en espérant que vous soyez encore plus nombreux pour l'année prochaine, parce que c'est vous qui faites la fête. Chaque année, on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur. Là, on a fait déjà, rien que sur la journée du samedi, deux fois plus d'entrées que l'année précédente et ainsi de suite chaque année. Donc on invite vraiment tout le monde à contribuer à la fête de la mer et à venir de plus en plus nombreux chaque année pour l'année prochaine et ça grossira de plus en plus. De la mer. Is that right? J'adore la fête de la mer. J'adore la fête de la mer. J'adore la fête de la mer. J'adore la fête de la mer.